Merci beaucoup. On vient d'enchaîner donc le Messian dont je vous avais parlé avec un arrangement d'un morceau de Wayne Shorter qui a été rendu très très célèbre par le quintet de Miles Davis qui s'appelle ESP. Et Miles Davis a même sorti un album complet qui s'appelle ESP. Donc le standard a vraiment été connu grâce au quintet de Miles Davis que j'ai complètement réarrangé avec plusieurs idées rythmiques comme vous avez pu l'apprécier. On va continuer avec un morceau beaucoup plus, disons, mélodieux, je ne sais pas si c'est le bon terme, consensuel. C'est un morceau du mandoliste Hamilton de Holanda, un mandoliste brésilien, qui s'appelle, alors coup de hasard complet, qui s'appelle Capriccio de Raphaël. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je m'appelle Raphaël. Thank you.